Salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans l'épisode 4 de la petite semaine dans la peau d'un freelance. Et aujourd'hui, je reviens de mon run, tu vois, je suis un peu suant. D'ailleurs, si tu fais, si t'es freelance ou si tu l'es pas, d'ailleurs, je te conseille vraiment de faire du sport du matin, tu vois, quand tu te lèves, tu vas faire ton sport, ça te met dans une certaine dynamique, tu vois, t'es énergisé, t'es suant, mais t'es énergisé. Et après, tu prends une bonne douche. Et là c'est top, voilà. Aujourd'hui on va parler de la différence entre les développeurs web et les webmasters. Parce qu'il y a une petite confusion, je reçois souvent des messages. Du coup bah, je vais t'expliquer un peu la différence, ça sera peut-être plus clair pour toi. Et puis normalement aujourd'hui il y a des mecs qui viennent dans la maison faire des travaux encore une fois. Mais ça va faire beaucoup de bruit aujourd'hui parce qu'ils vont taper pour raccorder les trucs en bois et tout. Donc ça va être chiant. Donc on va sûrement partir, je vais t'emmener avec moi. On va aller dans une petite ville à côté de là où on habite à 1 heure à peu près pour faire de l'administratif, mais bon je vais pas te montrer l'administratif, je vais te montrer les paysages. Et puis cet après-midi peut-être que j'irai travailler dans un café, je sais pas, on verra, voilà. Bon, et bah sur ce, je te propose qu'on démarre officiellement ce 4e épisode, c'est parti. En théorie il est censé te faire la backup complète quoi, et voilà. Mais ça a l'air de marcher du coup, c'est bon, c'est cool. Petite question, est-ce que t'es bon au rébus? T'es prêt? Salut, c'est Joe! C'était la blague pas drôle! J'espère que t'as compris, hein. Tu me mets en commentaire si t'as compris. Bon, sinon, je t'avais dit qu'on partait bouger aujourd'hui, on n'est pas parti bouger parce que les mecs sont pas venus, mais par contre, j'ai fait une petite séance de coaching que je t'ai montré ce matin. Enfin, t'as dû me voir discuter avec quelqu'un à propos de site web. Et bah, c'était un de mes coachés, et du coup, si ça t'intéresse, je t'en parlerai peut-être plus tard, mais je fais du coaching pour aider les freelance webmasters à se lancer. Donc voilà, t'as toutes les infos en bas de la vidéo si tu veux voir. Et là on va aller se poser un peu, faut que je te parle bah, justement de la différence entre les développeurs et les webmasters. Ah, les développeurs web et les webmasters. On y va. Bon alors chose promis, chose due, je vais t'expliquer quelle est la différence entre le développeur web et le webmaster. Le développeur web en fait c'est une personne déjà qui est passionnée par le code. Moi-même j'ai été développeur web en agence, tu vois. Et concrètement ça consiste en quoi son travail? Ça consiste à coder. Je vais faire simple parce qu'il y a plein de sous-métiers du développeur web, mais en gros ça consiste à soit coder de l'HTML, CSS, on appelle ça un intégrateur, tu vois, ou du développeur front-end avec un peu de JavaScript, soit ça peut être codé aussi du JavaScript et du PHP par exemple. Et là on va plus parler de développeur back-end qui lui bah voilà va coder des trucs qu'on voit pas forcément. C'est des API, des trucs comme ça, on les voit pas forcément. Il peut aussi par exemple créer des applications métiers, des logiciels métiers. Typiquement hier je parlais avec un gars sur Instagram, il a fait un logiciel pour les coiffeurs. Tu peux aussi éventuellement créer des applications mobiles maintenant avec le web. En fait c'est des petites applications qui compile le code HTML, CSS, JavaScript, tout ça en application mobile. Ces dernières années, le développeur web s'est vu un petit peu changer dans le sens où il y a 10 ans de ça, le développeur web développait ce qu'on appelait des CMS propriétaires. En fait, c'était des plateformes pour gérer les contenus des sites internet. Et puis aujourd'hui, bah, avec l'essor des CMS, en fait, bah, de plus en plus de personnes n'ont pas forcément besoin d'un développeur web, ou alors elles vont appeler un développeur web pour créer une extension pour le CMS qu'elles utilisent, ou alors comme je te le disais pour des trucs très spécialisés. Du coup, qu'est-ce que fait le webmaster? Le webmaster en fait c'est une personne qui a un profil un peu plus touche à tout, qui aime bien un petit peu regarder bah, tout ce qui tourne autour du site web. Alors aujourd'hui en 2019 si tu regardes cette vidéo, le webmaster va généralement utiliser un CMS et puis il va faire en sorte en fait de gérer un projet web, un site web de A à Z. C'est-à-dire qu'il va commencer à réfléchir un petit peu sur la partie marketing, il va réfléchir à quels sont les objectifs du client par rapport au site internet, est-ce qu'il veut convertir plus, est-ce qu'il veut gagner, je sais pas, plus d'argent en vendant des produits, etc., etc. Et à partir de là, il va élaborer toute une stratégie pour créer un site web qui pourra le faire directement
avec notamment un CMS. Alors le développeur, le webmaster pardon, en général est un petit peu aussi développeur. Typiquement moi je suis webmaster mais j'ai 5 ans voire plus de développement derrière moi, j'ai déjà fait des grosses applications logicielles, je sais comment ça marche. Mais il va s'occuper aussi de tout ce qui est, il peut s'occuper du référencement, il peut s'occuper des réseaux sociaux, il peut s'occuper vraiment de tout ce qui est visibilité sur le web, ce qui lui donne un spectre assez large à 360 degrés. Et ce qui est intéressant c'est que dans les deux cas en fait on peut toujours, quand on est lassé un petit peu d'une technologie ou d'un truc, on peut toujours aller taper dans une compétence connexe pour améliorer ses compétences et puis pour se faire plaisir, pour apprendre davantage. Donc voilà, on n'est jamais fermé en fait, qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, et on peut très bien passer de webmaster à développeur web si on décide de focuser uniquement sur le code, ou à l'inverse de passer de développeur web à webmaster, c'est ce que j'ai fait pour avoir une vision un peu plus large sur un projet et pas uniquement créer du code. Du coup ce que je te propose de faire c'est d'aller boire un café juste là, et puis moi j'ai du boulot de webmastering à faire, j'ai des clients qui m'ont envoyé des petites demandes et du coup il faut que je m'en occupe, donc on y va, je marche à reculons parce qu'il y a le vent qui vient de derrière moi et j'ai pas envie de t'entendre. Bon allez on y va, c'est parti. Je suis en train de rentrer du café et juste avant que je te fasse mon petit mot de la fin, regarde juste ce ciel, c'est un truc de ouf. Voilà, du coup, je viens de terminer deux tâches pour mon client. La première tâche, c'était de mettre en place des trackers pour savoir combien de personnes le contactent. Par moi, on peut avoir des statistiques, notamment avec Google Analytics, ce qui permet en fait de savoir combien de personnes arrivent sur le site et du coup, quel pourcentage de conversion on a. Et puis le deuxième truc que j'ai fait, c'est faire un audit pour accélérer un autre site internet qui était un peu lent. Et du coup, j'ai fait un audit pour savoir quelles sont les optimisations possibles. Et puis, j'ai recommandé un hébergement pour pouvoir le bouger parce qu'actuellement, il est sur une plateforme qui est peut-être un peu plus lente que ce qu'on pourrait avoir sur un autre hébergeur. Voilà, du coup, aujourd'hui, j'ai essayé de t'expliquer la différence entre le développeur web et le webmaster. Alors, tu l'as compris, le développeur web, tu vas le contacter pour des besoins bien spécifiques, des sites un peu tordus, un peu, tu vois, des trucs spécifiques, des logiciels en ligne, etc. Alors que le webmaster, tu vas peut-être plutôt le contacter pour faire un site classique, un site e-commerce, et il va pouvoir t'aider vraiment sur l'ensemble, la vision 360 du site internet avec tout ce qui est statistiques et aussi réseaux sociaux, etc., etc. Et il pourra contacter d'autres professionnels pour t'aider dans la conception du site. Voilà, donc si toi tu savais pas choisir lequel des deux, si tu savais pas lequel des deux devenir, écoute, maintenant tu as un peu plus d'infos. Et puis si tu veux aller plus loin, moi j'ai une formation en 7 jours, je t'envoie 7 jours, je t'envoie des conseils par email pour devenir webmaster. Et puis je fais aussi du coaching, t'as tout qui est dispo en dessous dans la description, donc n'hésite pas à aller voir. Et puis sur ce, moi je te donne rendez-vous demain pour le prochain vlog. On va normalement aller se balader cette fois-ci. Donc voilà, je te donne rendez-vous demain. N'hésite pas à t'abonner si tu n'étais encore pas abonné. Voilà. À très bientôt, à demain. Ciao.